bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de Destiny. Là, je vais faire un petit topo, comment avoir l'épée de feu. Alors, l'épée de feu, c'est pas compliqué. Il faut faire une quête que je crois Iris doit vous donner. Elle ressemble, je sais plus trop, je suis désolé. Et après, quand vous l'aurez fait cette quête, je crois que c'est une quête qui ressemble à ça à peu près. Enfin, je suis pas sûr. Non, progression, voilà, c'est là qu'on trouvera les quêtes données. Alors, soit ça sera une quête comme ça pour gagner l'épée de feu, soit ça sera une quête comme ça. C'est pour ce que je gagne moi une épée exotique de feu, mais bon, j'ai plus le pack des corrompus, donc je peux pas la faire. Et oui, pour avoir l'épée de feu, il faut avoir le pack des corrompus, sinon on peut pas avancer. Ouais, je trouve ça abusé moi aussi, mais bon. C'est comme ça. Et après la quête est finie, il faudra aller voir Shax. Ouais, c'est bien Shax, ouais, je sais plus, on s'appelle les steaks. Et voilà, bon, nous aurons les trois épées. Alors, il y a l'épée cryo-électrique, l'épée de feu et l'épée abyssale. Alors, après, j'ai l'épée de feu, comme vous voyez là. Est-ce qu'il existe quelque chose et qui pourrait vous aussi, poser problème j'ai l'épée abyssale. Okay. Elles sont pareilles, sauf qu'elles sont pas la même énergie. Moi, je préfère l'épée de feu parce que ceux qui connaissent le seigneur de père, et ben moi, je trouve que... voici l'épée cryo-électrique. Et moi je trouve qu'en fait l'épée de feu fait bien genre seigneur de fer, car en fait c'est ce qui représente. Et moi vu que j'en suis un, je préfère prendre l'épée de feu, c'est celle qui me plaît plus. Alors voilà, sauf que moi je prends celle-là vu que j'ai amélioré à 320 dégâts. Et voilà. Ah oui, et pour comment y avoir, on pourra pas être débloqué comme ça, faudra chercher des trucs. La cité est avec faut avoir des écuries légendaires. Alors 75 évidemment. Non, 25 écus légendaires et trouver de la mousse de matélalifère pour l'épée cryo-électrique, du filament d'adium pour l'épée de feu et du fer fossile pour l'abyssal. Voilà. Voilà comment avoir les trois épées. Méritez les honneurs, gardien. Normalement, il faut aller voir Iris qui vous donnera une quête. Crypta. Voilà à quoi elle ressemble, bon elle est un peu chelou, regardez on dirait qu'elle chiale. Bon moi je fais pas trop confiance à cette meuf parce qu'elle fait peur en fait, elle fait très peur je vous jure la vie elle fait peur. Bon voilà, et voilà j'ai pas vraiment confiance en elle. Oh c'est quoi? Flot de Crypta en 5. Gardez l'œil sur les ténèbres. Bon voilà, et voilà, je crois que j'ai tout dit normalement pour comment avoir l'épée de feu et les trois épées. Par contre je ferai un autre topo, comment avoir les 4 autres épées, les trois autres épées exotiques. Et je vous ferai aussi un autre topo, comment avoir l'âge de fer, des seigneurs de fer et l'autre épée. L'autre épée elle est plutôt pas mal aussi, mais je vais pas tout faire maintenant, faut que je fasse vidéo par vidéo. Bon bah je vous dis à plus, c'est fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Allez, à plus gardien.